Yo, vous m'excuserez, je fais pas la capture avec mon ordi parce que je suis le roi des connards et que j'ai la flemme. Je vais juste filmer mon écran comme un enfoiré. Du coup, effectivement, il y aura une distorsion. Et en plus, j'ai même pas foutu mon miroir pour que vous puissiez voir ma gueule pendant que je joue. Là, c'est un peu dans l'urgence et j'ai pas de logiciel de capture correct en ce moment, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. On va commencer comme ça. Mais donc, oui, je suis sur Xenocrisis qui vient de sortir. Alors j'y joue avec la manette 3 boutons de la Mega Drive Mini, étant donné qu'elle est. On peut la plugger sur son PC, hein, tout simplement. Et là, c'est la ROM que j'ai achetée légalement sur le site de Xenocrisis, parce que le jeu est sorti sur Neo Geo, sur Mega Drive et sur Dreamcast, si je dis pas de conneries. Je me demande s'il n'est pas sorti sur PS4 aussi, mais bon, bref. Donc voilà, ça c'est la version Mega Drive dont j'ai chopé la ROM qui est dispo à 15 boules, et c'est de la tuerie quoi. Et contrairement à. Je sais plus comment s'appelait l'autre jeu là, pourri qui devait sortir, Paprium, le jeu de la frime. Paprium Plus. Je vais un peu mieux le centrer quand même. On a droit à une VF qui a l'air clean. Les graphismes de la cinématique sont nickel. Alors là, bon, vous perdez un petit peu parce que je capture ça à la caméra comme un crétin, mais c'est clean à mort, quoi. Il n'y a pas normal. J'ai pas encore beaucoup joué. Je sais pas si vous entendez bien les zics, mais ça patate de partout. Les graphismes sont d'une finesse. C'est ahurissant. Et à côté, les musiques sont sublimes avec cette sonorité Mega Drive comme ça, mais classe quoi. Et t'as des voix digitalisées de partout, mais surtout des graphismes qui sont mais merveilleux. C'est incroyable. Putain de giga sprite tout de suite quoi. Et avec une finesse graphique, mais je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça sur une Mega Drive. Finesse d'animation et tout. Et alors bon, ça se présente comme un. Comment il s'appelle déjà? Smash TV, avec une suite d'écrans comme ça. Les ennemis qui arrivent, il faut un peu faire gaffe à ces munitions parce qu'elles sont limitées en fait. Alors bon, là je suis sur une map. Tout à l'heure, j'ai joué, j'avais pas le même. Le même. Le, comment dire? C'est du donjon aléatoire, quoi. comment je fais quand j'ai plus de bastos? Il me semblait qu'il y avait un couteau. Est-ce qu'on peut pas voir? Il n'y a pas une carte ou quelque chose? Bon, bref. Mais vraiment, graphiquement, c'est confondant quoi. Ça ressemble un peu à de la Super NES niveau qualité. Alors de la très belle Super NES, hein. Mais vraiment, je pensais pas que la Mega Drive pouvait faire ça quoi. Pourtant, bon, je sous-estime pas la Mega Drive, hein. Elle fait des choses merveilleuses, hein. Franchement, Splatterhouse, Alien Soldier, tous ces jeux. Mais ça, putain! Putain de merde, quoi! Fuck. Oh putain! Ah oh, fuck! Et alors là, c'est marrant quand on a les crédits. Il y a un truc qui fait vraiment beaucoup penser à Cadillac and Dinosaur avec le perso qui fout un nion dans l'alien, quoi.
Putain, mais c'est chaud, quoi. Je l'ai pas encore dans les doigts. Mais bon, bref, il vient de sortir. Et j'hésite vraiment à le choper en cartouche, parce qu'en cartouche, il coûte 55 boules. Alors bon, moi, ça me fait un peu chier, parce que... C'est vraiment pour l'avoir en collector. Encore 55 boules, je me demande, c'est pas juste pour l'avoir. Non, je crois que c'est 40 boules, la version cartouche seule, et la version avec la boîte, la vraie version collector, je crois que c'est 55. Mais je dis peut-être une bêtise, faut que je vérifie. Ou alors vous irez vérifier par vous-même. Voilà, mais regardez-moi ces graphismes, on se croirait, mais je sais pas, moi, sur un truc de Game Boy Advance ou quelque chose comme ça. Non, non, ça sent le jeu moderne, quoi. C'est pas juste une parodie de... Une parodie de vintage, vous savez. Après, je me demande comment il tourne sur du vrai hardware, par contre. Ça, c'est clair que... Là, je suis sur émulateur. Même si, voilà, Kega Fusion, je doute pas qu'il tourne à peu près comme une vraie Mega Drive. On ne sait jamais, quoi. Et franchement, j'aimerais voir de mes yeux ce que ça donne sur une vraie Mega Drive. D'autant que moi, j'ai une Mega Drive européenne. Donc forcément, elle sera cadencée en 50 Hz. Ça sera pas la même chose, quoi. Ah, putain. Putain, c'est chaud du cul, hein. Je serais curieux de voir ce que ça donne quand on joue à deux, par contre. On va l'essayer vite fait en facile pour voir s'il y a un vrai gros décalage sur la difficulté. Mais sérieux, ça poutre d'une force, quoi. C'est marrant parce que ce jeu, il a été vraiment... ils ont fait le dev de façon super clean, quoi. Genre, ils se la sont pas pété, ils ont balancé leur truc. Les gens ont suivi ça tranquillou. Alors bien sûr, il y avait les craintes qui étaient liées aux autres jeux stars du développement indépendant, notamment, comme je disais, Paprium, hein. Mais ouais, lui, il paraissait beaucoup moins se la raconter, et beaucoup plus crédible, et voilà, il a juste fait le job. Je sais pas qui sont les mecs qui sont derrière ça, mais c'est hallucinant, quoi. Paprium, ça me fait chier, parce que Paprium, j'aimerais vraiment qu'il finisse par advenir, mais j'ai un sérieux doute, hein. Là, il y a des mecs qui ont commencé à réclamer des remboursements et tout. Je sais pas s'il existera un jour. Hein. En même temps, ça semblait tellement être de la blague, genre le truc. Le truc que la Mega Drive peut pas faire tourner. Après, bon, je dis ça, mais ça aussi, ce jeu, c'est fou que la Mega Drive puisse faire tourner un truc pareil. Hein. Et bon, l'explication sur Paprium, en tout cas, sur lui, je sais plus, parce que lui, je crois qu'il fait seulement, il fait 2 MO, quoi, donc en fait, non, il aurait pu sortir à l'époque, techniquement, quoi. Mais Paprium, par contre, la blague, c'était de faire une ROM qui soit ultra lourde en réalité, quoi. Genre le jeu qui aurait pas pu sortir à l'époque parce que, voilà... Il était trop gourmand techniquement et que les cartouches de cette taille, on pouvait pas faire ça à l'époque, quoi. Putain, j'ai plus de grenades. Ah. Putain, ouais, c'est chaud du cul, même en facile, je suis nul, quoi. Bon, après, je suis pas concentré ni rien, quoi, mais... Putain, mais regardez-moi ça, comme c'est stylé, quoi. Je vois qu'il reste 3 minutes, donc... Sur ma carte d'enregistrement, donc on va pas durer très longtemps. On va en rester là.
Mais bon, bref, il vient de sortir, ça te déchire la gueule. C'est le nouveau jeu Mega Drive qui vient d'arriver. Si vous êtes fan de Mega Drive, mais allez-y, faites-vous plaisir, parce que là, les mecs ont fait du boulot aux petits oignons, ça déchire. Si vous avez une vraie console, hésitez surtout pas, enfin, si, hésitez quand même, hésitez à choper une version cartouche, parce que ça vaut la considération, ça fait son petit prix, c'est le prix d'un jeu neuf, d'accord. Et sinon, chopez la ROM, bientôt on pourra la foutre sur la Mega Drive Mini si vous l'avez chopée, et sinon vous pouvez jouer de toute façon sur émulateur avec le pad, le vrai pad 3 boutons qui a été reproduit avec la Mega Drive Mini, ou avec n'importe quel autre pad, mais franchement, avoir la vraie expérience avec ce pad, ça vraiment, ça explique pourquoi c'est bien en fait que la Mega Drive Mini ait fait ça. Faites-vous plaisir, parce que putain, ça arrache quoi. Allez, ciao ciao.